Direction la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam un exemple de patriotisme aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiades de l'ère moderne se sont ouverts sur les bords de la Seine le 28 juillet 2024. Une cérémonie grandiose, marquée par la prestation de la chanteuse canadienne Céline Dion. Nonobstant la pluie qui se déversait dru sur la capitale française, une présence très remarquée a attiré l'attention des Ivoiriens qui ont assisté à cette cérémonie d'ouverture. Dans les tribunes des Jeux Olympiques, une personnalité politique influente de la Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, président du PDC-RDA, était de la partie. Unique membre ivoirien actuel du Comité international olympique, CIO, il était assis à cette place privilégiée en tant que membre organisateur mais aussi en qualité de supporter des athlètes ivoiriens. Ce geste, loin d'être anodin, est un appel à tous les compatriotes compétiteurs pour un sursaut dans ces Jeux. C'est aussi une illustration éclatante de ce que signifie le véritable patriotisme dans un monde où les mots sont souvent plus bruyants que les actions. L'attitude de Tidjane Thiam rappelle l'importance des actes concrets par rapport au discours. Il ne s'agit pas de simples déclarations enflammées dans des bureaux ou des salons luxueux, mais d'une présence réelle et tangible sur le terrain. Ainsi, Tidjane Thiam montre par cet exemple que le patriotisme ne se vit pas dans le confort des hauts lieux de pouvoir, mais au cœur des événements, aux côtés de ceux qui représentent notre pays, quel que soit l'endroit. Ce n'est pas la première fois que Tidjane Thiam se distingue par son engagement sincère pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se souviennent que lors du coup d'État de décembre 1999, alors qu'il était en mission hors du pays, le ministre Tidjane Thiam était rentré en Côte d'Ivoire malgré les menaces de la junte militaire du CNSP pour être aux côtés de la population ivoirienne. Cela démontre que ce banquier, neveu de Houphouët-Boigny, a toujours mis un point d'honneur à être proche du peuple, à écouter et à agir en conséquence. Aux Jeux Olympiques, la présence de Thiam sous la pluie, acclamant les athlètes ivoiriens, est une image forte. Elle incarne l'essence même du patriotisme, être présent, soutenir, et montrer l'exemple par des actes concrets. Dans une époque où les calomnies et les critiques sont monnaie courante, où certains préfèrent attaquer ceux qui agissent, Tidjane Thiam choisit de montrer la voie par son engagement. Cette attitude inspire non seulement les sportifs qu'il est venu encourager, mais aussi tous les Ivoiriens et au-delà. Elle rappelle que le vrai changement ne vient pas des critiques acerbes ou des discours peu constructifs, mais des actions concrètes et de la présence active dans le quotidien des citoyens. En soutenant ses compatriotes de cette manière, Thiam réaffirme une vérité essentielle. Le patriotisme, c'est d'abord être sur le terrain.